Salut à tous. Alors, grosse fatigue parce que je viens d'entendre Thomas Mesnier qui se propose de permettre aux pharmaciens de délivrer sans ordonnance des médicaments qui, jusqu'à aujourd'hui, le sont sur prescription médicale. Alors, il nous donne comme raison le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait, selon lui, de longues années d'études médicales pour résoudre les petits maux du quotidien, comme il les appelle, angine, conjonctivite, infection urinaire, et que cela libérerait les médecins de un certain nombre de petits actes pour qu'ils puissent se consacrer à des actes plus lourds. Alors on doit être sacrément prisonnier puisque parallèlement on veut nous donner aussi des assistants contre une augmentation de nos cadences, là aussi pour nous délivrer d'un certain nombre de petits actes. Alors on rappelle que les assistants, bien sûr, au bout d'un certain temps, c'est nous qui les paierons, hein, toujours à 25 balles, mais comme on aura augmenté nos cadences, on pourra les rémunérer. On rappelle aussi qu'il y a des plateformes commerciales qui veulent s'emparer de ces petits actes. Enfin bref. Aux médecins, il resterait que les actes lourds. Ces actes lourds, maladies chroniques, seraient évidemment payés au forfait, parce qu'il ne faut pas pousser quand même. Hein, on est dans une enveloppe contrainte, l'ONDAM, et donc l'État nous donnera des forfaits, on fera plus d'actes pour un peu moins d'argent. Alors, on va être un peu sérieux, Thomas. On va rappeler que c'est pas avec ce genre de choses qu'on résoudra les problèmes. Ce n'est pas avec des solutions d'aval qu'on résoudra la problématique de notre système sanitaire qui s'effondre. Ce n'est certes pas en nous donnant des assistants. Ce n'est certes pas en permettant aux pharmaciens de délivrer tel ou tel médicament sans ordonnance qu'on va résoudre les choses. Il est temps de s'attaquer à la véritable problématique. La véritable problématique, c'est de rendre l'attractivité à notre métier. C'est d'arrêter avec une gouvernance qui est uniquement administrative. Et puis tiens, puisqu'on parle de gouvernance et d'organisation du soin, et que Thomas Mesnier compare ce qu'il veut mettre en place avec ce qui se passe en Suisse et au Canada, on rappellera qu'en Suisse, la consultation de base est à près de 100 euros, ce qui permet aux médecins d'avoir jusqu'à 3 assistants qu'ils rémunèrent eux-mêmes, ils ne sont pas subventionnés, hein, et qu'au Canada, c'est un facteur 3 aussi au niveau du chiffre d'affaires, ce n'est absolument pas la même chose. Alors, continuer à laisser les médecins à 25 balles l'acte, à s'épuiser parce que personne ne s'installe et que les médecins qui partent ne sont pas remplacés, c'est continuer à regarder le système s'effondrer, mais en masquant cela par des rustines sur un pleu tellement rechapé que l'éclatement menace. Grosse fatigue, vraiment grosse fatigue.